l'adversaire ce soir, c'est nous. L'adversaire des 7 derniers matchs, c'est nous. C'est notre capacité. Je pense qu'on peut jouer tout le monde et faire des choses contre tout le monde. Mais malheureusement, aujourd'hui, on n'y arrive pas à concrétiser ces choses. Voilà, notre premier adversaire, en tout cas, sur cette saison, c'est nous. Je ne dirais pas frustré, mais je dirais qu'on n'a pas assez de confiance qui fait qu'on se dit on va y arriver et que le match est pour nous. C'est-à-dire qu'on attend en fin de compte que l'adversaire fasse quelque chose. Or, on devrait être maître de ce qu'on fait et de posséder les choses et on ne les possède pas. On ne les possède pas. Et c'est des problèmes de série. Il y a des fois des choses réussies sur une saison, sur cette saison. Pour l'instant, en tout cas, on a du mal à trouver la clé de ces fins de match. Quoi. L'équipe joue bien pour beaucoup de temps. C'est les mêmes choses. C'est les mêmes choses. Hein. 1, 2, 3 actions pour trapper le match. Ne marque pas le panier. Ne bouge le ballon pour un bon shoot. Et après, c'est difficile pour gagner contre une bonne équipe. There's a different approach. You know, some teams at the end of the game, they play to win, they play not to lose. That's just a big difference. You got a team to be aggressive, the team to be strong and attack the basket. I think they play more reserved, and we don't play with the same sense of urgency. To Ce qui me dérange un peu, c'est que certaines équipes jouent pour gagner, nous on joue pour ne pas perdre. Donc on n'a pas le même sentiment d'urgence. En fin de match, ça joue probablement sur ce que tu souviens. I'm very proud of my players because 3-4 of them, they had injury problems. Je suis très fier de mes joueurs parce que dans l'effectif, 3 ou 4 joueurs avaient quelques petits problèmes de blessure. But they wanted too much to play in the game. Ils voulaient vraiment jouer. And I think was the best win until now for my team. Je pense que jusqu'à aujourd'hui, c'est notre plus belle victoire.